Unité, public, privé, unité, travailleurs, retraités, unité, public, privé, unité, travailleurs, retraités, unité, public, privé, unité, travailleurs, retraités, unité. Non, 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 à la retraite à plein, nos retraites, émissions. Non, 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 à la retraite à plein, nos retraites, émissions. Non, 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 à la retraite à plein, nos retraites, émissions. Thank you.
C'est de travailler chaque jour ensemble. À titre d'exemple, le projet prévoit que la pension de réversion pour les veufs et les veuves ne pourra plus être versée qu'à compter de 62 ans, soit 7 ans plus tard pour un salarié du privé actuellement. Il y aurait, pour l'instant, il n'y a pas de condition d'âge dans le public. Ne nous soyons pas à l'abri parce que nous sommes déjà retraités. Le gouvernement semble sourd aux mobilisations. Un jour les retraités, un jour la RATP, un jour force ouvrière, un jour la CGT. Et si nous essayions de créer le rapport de force actifs, retraités, tous et toutes ensemble, dans l'unité syndicale la plus large pour faire reculer ce gouvernement. C'est notre avenir et celui de nos enfants qui est en jeu. Nous ne les laisserons pas signer cette pétition, à vous en emparer, à la faire signer autour de vous. Ce sera la contribution du département 89 à nos responsables syndicaux, tous nos responsables syndicaux. Il faut arrêter la machine de guerre du gouvernement. Cette pétition, je vais vous la lire, mais vous l'avez vue, pardon. Pour dire que les retraités, contrairement à ce que dit le président de la République, ne sont pas des privilégiés. Il faut fréquenter les plus riches du monde, comme le fait Macron régulièrement, pour considérer qu'avec 1000 euros, 1200 euros de pension, on est un privilégié. Évidemment, lui, il n'a jamais vécu avec cette somme-là pour boucler les fins de mois. Donc revendiquer une augmentation des pensions, et la CGT, vous le savez, propose que le minimum soit porté à 75% d'un SMIC à 1800 euros. Voilà des propositions qui permettent pas de vivre chichement, mais de vivre au moins dignement. Et la revalorisation des pensions, elle doit être effective, comme ça a été précisé, quel que soit le niveau de salaire durant sa vie active, quel que soit son niveau de pension. Patron, et d'augmenter le nombre de trimestres nécessaires pour pouvoir bénéficier de sa retraite. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave que ça. Moi, je qualifie ce projet de réforme des premiers de cordée, fidèle à la tradition et au mot du président de la République. Et ce que je veux vous dire, c'est que premièrement, la retraite, c'est pas une affaire de spécialistes comme ils essaient de nous faire croire. C'est plus une affaire de techniciens. La retraite, c'est simple. C'est à quel âge je peux partir et avec combien. Il y a la CGT, j'ai précisé le minimum, et nous, on a l'habitant de pouvoir partir dès 60 ans et 55 ans, voire moins, pour les travaux publics. C'est simple comme revendication, et je crois que ça correspond à ce qu'attendent les nombreux travailleurs et travailleuses de ce pays. Parce qu'on nous dit, oui, mais l'expérience de vie a augmenté. Mais l'expérience de vie a augmenté parce qu'on travaille moins. Pas parce que vous êtes payant ou parce que je ne sais quoi. Là, l'expérience de vie a augmenté parce qu'on travaille moins durant sa vie professionnelle.